Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Pilubile. Nous allons continuer notre aventure sur The Witcher 3 Wild Hunt. Nous sommes à la partie 6. Nous avions... Si vous... Salut Biagio, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça va très bien, ça va très bien, et toi? Donc, on se souvient, la dernière fois, on était arrivé ici à Oxenfurt. Pour un... Et on avait retrouvé Tamara, la fille du baron sanglant. Et ben, il faudra lui annoncer la nouvelle. Mais avant, on a en principe une partie de Gwent à faire. Et du coup, on commence bien. Ne pas les poivrons, les barbiers, les croque-morts, ni les étudiants en philosophie. Ai-je l'air d'appartenir à l'une de ces catégories? Allez savoir. Je tiens juste à mettre les choses au point. Que vous ont fait au juste les étudiants? Il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les étudiants, les barbiers et autres. Bah le Gwent, hein, on est là malheureusement vous pour ça. Ce ah, quoi qu'il a peut-être des cartes à me vendre. Et toujours pour une week-end trop court, mais toujours ouais, content de me retrouver. Ah, ça me fait plaisir, mais le week-end est toujours trop court malheureusement. Très bien. Toujours j'accepte trop court. Conditions. Ah, quoi que si le week-end après dure infiniment, on ne me voit plus en live. Il va falloir que je stream le week-end. À la place peut-être, mais ça me fait toujours plaisir de revenir sur le jeu. On va tenter du coup la partie, on va voir ce que ça va donner. Alors le chef, super. La carte chef de mon adversaire annule ma carte chef. Donc je ne pourrai pas doubler la puissance d'attaque de mes balistes. Alors pour le moment je n'en vois qu'une. Alors on a du soleil, on a du 1-1, 1-1, il y a plein de 1-1 là, il y a tout plein de 1-1. Il y en a peut-être un de trop lui, tu dégages. De toute façon je n'ai qu'une balise, on a des archers. Ah celle-là c'est la merde. Et eux ils se doublent leur attaque en étant à 2, donc il faudrait les garder. Ouais, il y a qu'une balise pour le moment, allez tant pis. Ah. Et ah, lui a commencé. Et on démarre avec un petit espion. On a un espion dans la main. C'est le genre de truc, je la mets maintenant, j'abandonne après. À moins que... Enfin ouais, vas-y, on va commencer par ça de toute façon. On aime bien mettre les cartes espion. On a récupéré un sein et un corps de... Un corps. Ça veut dire qu'on va pouvoir doubler une de ces lignes. De prime abord, ça pourrait être soit les archers, soit les corps à corps. Et maintenant qu'il a utilisé pas mal de cartes, je vais lui laisser gagner celle-ci. Ah ouais, évidemment, il a des espions lui aussi. Il rajoute deux cartes supplémentaires. Flûte, il est malin. Évidemment. Évidemment, il a des grosses cartes comme ça après. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Et j'ai rien pour ressusciter pour le moment. Ah ouais, mais... Eh vas-y. Il va abandonner. Il va abandonner. Mais je ne peux pas passer maintenant, sinon il attaque. Mais il va abandonner à tous les coups. Mais c'est les cartes les plus petites que j'ai. Il va passer. Il est passé, ouais c'est obligé, mais je suis obligé d'attaquer, sinon... sinon c'est lui qui va gagner le match. C'est relou, hein. Hop, on a fait le moins pire. Et maintenant, ben, on va pouvoir tout miser. On va pouvoir tout mettre. On va mettre petit à petit, au cas où ils ont la terre brûlée. Il est détruit. Bon, c'est bon. En tout cas, pour le moment, il pourra pas mettre de terre brûlée. Ah, mais j'ai pas de carte météo non plus contre lui. À tous les coups, il va doubler ses archers. Il a cette carte-là pour ses archers. Il va monter fort. Ah, heureusement que c'était les derniers que j'avais. Hein. Après, de toute façon, j'ai mon soleil au cas où pour retirer
Le froid si c'est trop gênant, mais donc je vois que la carte que je vais gagner, c'est Yennefer. Hein. C'est cette carte-là que je vais gagner quand je le battrai. Yennefer de Vandenberg. Alors, du coup, on continue. Et du coup, avec la carte de Yennefer, il a pu ressusciter une de ses cartes et il a fait appel à une carte espion pour récupérer deux cartes en plus. Donc il est très bien parti. Ouais. Bon, maintenant il va falloir que je calcule où sont mes cartes les plus. Ma ligne la plus forte. Enfin, c'était pas dans le. Enfin, surtout pour lui aussi, voir. Si je joue ma carte météo aussi, parce que c'est quand même de l'attaque. Attendez. C'était moi qui avais le 9, ouais. Lui, je crois que c'était un 5. On doit avoir un 4, il me semble. Et ça, c'est un 4. 4, 8, il me semble. Ou 4, 5. 5. Je vais avoir un truc 13-14 points ici. Lui, on a vu un 3 et ça doit être un genre de 7 à mon avis. Enfin, un 4. Donc 7. Ouais, j'ai quand même plus ou moins le double. Mon corps, il va ici. Il va ici. Ah, voiture. Outre. Ah non? Ça fait pas. Ah non, je me suis trompé. Oui, cette carte-là, on voit qu'elle a un symbole spécial en plus de ça. Ça attaque, ça détruit la carte la plus puissante sur la ligne du corps à corps. Donc chez moi, évidemment, vu que c'est lui qui la met. Si c'est, mais si, si ma ligne dépasse, ça dépasse le 10. Si ici j'ai plus de 10 points. Dans la ligne de corps à corps, bah, cette carte détruira ma plus puissante, il me semble. Bon, là, ça ne dépasse pas 10. Et en principe, je ne suppose que ça ne fonctionne pas par après. Non, ça ne fonctionne pas par après. Donc pour le moment, je gagne. Salut, cousin, comment ça va? Je tâte d'utiliser ma carte météo. Je me tâte. À mon avis, il peut pas gagner. On avait dit. Ah ouais, non, Senna, elle a quand même une puissance d'attaque élevée, donc je crois que je vais pas la jouer. Passer mon tour. Au final, je crois que ça va revenir au même, du simple au même, plus ou moins. Ouais, puis il pouvait refoutre une météo derrière s'il voulait. Ah, bah ça fait plaisir! Au camion pour les chantiers, bah devant l'ordinateur pour jouer. Ah, mais je vais par contre rechercher mon bus cet après-midi. Je n'aime pas perdre, mais je sais accepter la Vu que la rentrée c'est mercredi, hein, carte bah, on reprend le boulot. Hein. Vous jouez depuis longtemps, non? Je vais savoir où trouver d'autres cartes intéressantes. Eh bien, à Novigrad, vous trouverez l'aubergiste, Olivier. Mais je vous préviens, il n'arrive pas à la suite. Ici, il y a l'aubergiste de la croisée des chemins. Et bah vas-y. Ah oui, hein, il faut aller voir sa liste d'objets à vendre. Il a peut-être des cartes que je peux acheter. Oui, encore moi. Qu'est-ce que ce sera? Ils vendent peut-être des cartes. Puis-je voir vos articles? Vends-tu des cartes? Oui, mais j'ai bien fait de venir. Oui. Oui. Et une sonnerie de la charge. C'est bien. Merci, des bisous. Adieu. Ou adieu carrément, allez, carrément. N'ayons pas peur des mots. Nous nous reverrons pourtant. Ouais, la marque du démon, tout de suite. Tout de suite, ça parle mal. Allez, alors, il faut retourner voir le baron pour lui annoncer la nouvelle de sa fille qui se porte bien mais qui ne veut vraiment pas le voir, hein, tout simplement. Et qui espère qu'avec le feu éternel. Elle pourra libérer sa mère, certainement. Je rapide. Go, go, go.
chevreux. Et non, c'est ici. Ah, le feu éternel, hein. Quand on le voit, on n'en pense pas que du bien, je suppose, que ça peut, ça a été plus ou moins pareil pour tout le monde. Ils ont l'air un peu extrémistes. Et autres. Bon, en plus de ça, on n'a pas que ça, on a aussi les chasseurs de mages. Ah, c'est pas forcément la bonne ambiance en ce moment dans le monde du Wisher. Eh ben tant mieux. Hein. Un petit peu pénible à force de faire la route. Un petit panneau de signalisation là ici, à ce niveau-ci, ça pourrait être sympathique. Ou même au niveau plus du château en lui-même ici quelque part. Ouais, t'es pas mal. On y vient. Bon, après, c'est vrai que je pourrais d'abord aller suivre les pistes, la piste de pour la femme et revenir quand j'ai des nouvelles de tout. Mais autant venir quand on a des nouvelles petit à petit. On aime bien faire la route. Ça permet d'espacer peut-être aussi un peu les moments avec Ciri. De ne pas tous les avoir d'affilée. Je vous écoute. Je ne sais pas. Le feu éternel, si je pense bien, il doit faire un malheur aux barbecues. J'espère bien, ouais, c'est vrai que ça doit être sympathique avec eux, les barbecues, pour ça. Enfin, en tout cas, pour en faire un. Hein. Après, l'ambiance, je ne suis pas sûr. Hein. Pas exactement comme vous l'espériez, je crains. Elle a balancé la poupée. Balancé. Dieu. J'espérais malgré tout. Oh. Des nouvelles d'Anna? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté là? Retrouvez-la. J'aimerais bien, mais tu m'empêches de partir. Adieu. Bon, ben c'est tout. C'est tout, on a fait tout ça pour rien au final. On aurait pu venir en même temps. Bon, on avait des nouvelles de sa femme. Un petit peu triste. Alors, je suis quel niveau? Moi, je suis niveau 7 toujours. Ah, bientôt niveau 8. Et j'attends le niveau 10 pour les deux contrats que j'ai. Et niveau 6. Enfin, en tout cas, pour commencer celui niveau 6 et après faire celui niveau 8. Et j'espère dans la foulée. Je le rappelle, je dois le faire sans utiliser de sorts, sans utiliser d'huile et sans utiliser de bombes. Bon, les bombes, ça le fait, j'en utilise rarement, voire jamais. Les huiles, c'est un peu dommage, je vais pas pouvoir les utiliser. Les signes, c'est vrai que ça j'utilise pas mal. Donc faudra tenter de faire 100. Et si pas, je vais devoir à un moment donné réduire la difficulté. Juste pour le temps de faire ce trophée. Et de recharger ma partie, évidemment, vu que je dois faire tout le jeu. Enfin, en tout cas, toute l'histoire principale. En marche de la mort. J'aimerais bien partir. Où ça. Juste là-bas peut-être. On va voir ce qu'il y a. Vas-y, on a vraiment peut-être un panneau supplémentaire. Non. Appelons nos chevals, notre cheval, souvenons-vous-en. Non, ça c'est. Ah. D'un jeu à l'autre, les touches qui changent. C'est relou. En avant. Va falloir explorer tous ces points d'interrogation, hein, un jour. Et encore, là, on les voit pas tous. Il y en a moult et moult. On pourra vraiment faire une matinée point d'exploration. Ça va être ça au programme. Point d'exploration. D'interrogation plutôt. Enfin, c'est pour faire de l'exploration, quoi. Ah, flûte. Tenez les monstres.
Ça me fait toujours en plus. Ah, il y en a encore un. Ça me fait toujours un plaisir de vous écorcher vif. Et ça permet de récupérer du loot. Malgré tout. Il y en a encore, non, on dirait. Ouais. Mais ouais, attaque pas mon cheval. Mon Ablette. Non, mais quelle idée. Il est fou celui-là. Allez. Allez, Ablette. Plus vite. Udada, Udada. Sur le cheval de mon papa. Un trésor ou ça? Il y a un trésor quelque part. Il est où par rapport à nous? Il est... Ah bah il est droit devant. Droit devant plus ou moins. Voilà, soyons pas idiots. Soyons pas idiots. Sauvegardons. Toujours. Il était pas ici, ici? Il était ici? Je vais carrément pas du bon côté. Voilà. Ah! C'est quel niveau cette connerie? Ah mais c'est trop haut niveau ce machin. Je me casse. Non mais c'était une blague. Et je reviendrai plus tard, désolé, des bisous. J'ai pas encore le niveau. Je me suis... Excusez-moi monseigneur. Non, 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 c'est bon. On s'est fait avoir une fois, on se casse. Hein. Mon bon seigneur, oh, quel agréable petit dragon là, qui ne m'a point plus poursuivi que ça, heureusement. Plus vite. Je me suis mis un autre MMO, Tezo, je crois que j'ai un problème avec les MMO. Effectivement. Ouais, mais c'était en attendant l'autre qui avait été repoussé d'un petit mois là. Et du coup, t'as choisi quelle race et autre. Vu que t'as commencé tes os. Non, non, moi j'ai les MMO. Je me dis que faut vraiment... Enfin, ça, j'ai arrêté depuis... Bah, j'avais fait Ion et FF14. Le plus en tout cas, mais... Non. Il faut que j'arrête. Enfin, il faut que j'arrête. Pas plus simple. C'est vrai que... Enfin, après, les jeux aussi, les trophées, machin, ça peut bouffer du temps, mais les MMO... J'ai l'impression que c'est pas... C'est pas le bon, c'est vraiment pas le bon plan. Hein. Enfin, c'est surtout que vu qu'il y a... Enfin, ça dépend, il y a un abonnement mensuel sur Tezo. Parce que c'est vrai que quand il y a un abonnement mensuel, j'ai tendance à jouer énormément du coup, pour rentabiliser à mort mon abo. Et du coup, je rachète les cartes, toujours. C'est quoi ça? Un bouquin? On a vraiment besoin d'acheter ton bouquin, je suis pas sûr. On verra. Vas-y, on sauvegarde d'abord. Et mon avis, si je peux. Ouais, c'est juste pour gagner de la thune, à mon avis, la partie de Gwent, je pense. Je crois que quand c'est pour gagner une carte, on a c'est en jaune. Quand c'est pas en jaune contre lui, c'est juste pour de la thunasse. Ouais, c'est pour de la thunasse. Et c'est que 10 pièces à chaque fois, c'est d'une petite partie de la loose. Premier, alors t'as fait en premier un nordique chevalier dragon, et en deuxième t'as fait un elfe noir nécromancien. Tu as déjà fait plusieurs personnes, mais c'est magnifique. Vas-y, la première carte... Comment il l'appelle, carte héros? Yennefer de Von Gerberg. On peut jouer comme ça. Comment ça, tu peux jouer comme ça Tu parles de Tezo là? Ou... De quoi, pas besoin de payer un abo Il faut acheter le jeu quand même, pas sûr moi. Ah, on a vraiment pas de baliste ici. Ok, super, ma carte de chef qui va pas me servir. Je sais pas quoi jouer. Je sais pas quoi... Ah mais... Fin... Non, alors, même si j'ai ou le pire, j'ai une baliste, tu vas pas me servir. Tant
puis vas-y, on va le froid mordant, et j'ai pas de baliste là. Mais par contre, j'ai plein d'attaques ici. Ton nécromancien est aussi là, mais normal, c'est normal, un nécromancien qui est le tout à fait logique. C'est logique. Allez, tentons des choses. Je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi tenter. Je lui dis que si je le mets lui, il pourrait déjà abandonner ici, à la limite, ce tour-ci. Ah mais vas-y, il y a deux cartes météo, ah quel enfer. Quel enfer. Bon, je l'abandonne ici. Là, je vais pas récupérer. À mon avis, du coup, je jouerai pas non plus mon petit ami le leurre, mais je vais pas l'utiliser pour une carte 1. C'est dégueulasse. On va repasser celle-là. T'achètes le jeu, mais t'es pas obligé de payer un abo. Ok. Ah, et puis maintenant, je peux même pas récupérer. Enfin, si, je vais pouvoir le récupérer autrement. Mais vas-y, il a deux cartes espions, le mec. Quel salaud. Et salaud. C'est un petit gars comme ça et le mec il se tape deux cartes espions. Mais quel enfer. Mais quel enfer. T'as l'impression que c'est un mec facile mais pas du tout. Et il va rappeler sa carte espion. Ah bien. Mais je vais pouvoir, merci, du cadeau. Ah par contre je vais lui donner plein d'attaques, ça c'est pas cool. Je récupère. Et je vais lui envoyer une autre carte. Je vais envoyer une carte espion. Elle, hein, vu qu'elle n'a que un d'attaque. Faut pas déconner, on va pas lui mettre les plus fortes non plus. Ah, enfin une première baliste. Enfin deux balistes. Il passe son tour. On est en égalité. J'utilise deux cartes. Ouais, faut que j'utilise deux cartes. Une pour autant utiliser la carte espion maintenant, je pense. Et puis il faut utiliser évidemment la carte pour gagner le tour. Bon, c'est lose. Ça serait idiot. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est un peu. C'est pas mal ce genre de MMO où t'achètes au moins le jeu. Bah, normal d'acheter le jeu, hein. Et après t'es tranquille. Ça coûte moins cher qu'un abonnement mensuel. Parce qu'en plus de ça, l'abonnement mensuel, t'es en plus de ça obligé d'acheter le jeu. T'achètes le jeu, puis t'as l'abo derrière, tu fais ouh, ça commence à piquer. Hein. Ah, il commence direct avec du 8 le mec. Vas-y, il commence direct avec les cartes les plus fortes. Enfin, ou en tout cas des cartes fortes, vas-y, fais-toi plaisir. Ça veut dire qu'au moment tu peux pas me détruire mes cartes avec une terre brûlée. C'est ça qui est beau. On met un peu tout partout comme ça il sait pas forcément comment je vais jouer. Je suis en train de le paumer là. Stratégie. Mais il joue quelle ligne? Il va jouer sur quelle ligne principalement le monsieur? Je garde mes cartes fortes là pour la fin, ça va être beau. Enfin, je vais le massacrer. Enfin, sauf que ça va être relou, parce que ça va faire plein de force. Ah, il n'y a pas terrain de faire un coup comme ça. On a quoi ici? On pourrait ramener potentiellement une carte espion à la vie pour récupérer deux nouvelles cartes. Mais ça lui fait de l'attaque supplémentaire. On s'arrête ici pour le moment, pour lui. Le froid, heureusement que j'ai la météo. Heureusement que j'ai au moins une carte météo. Ah, vas-y, on ramène... En plus de... Ah, carte espion, vas-y. Ah, ça va. Ah, ça va, ouais.
Ouais, je suis en train de booster les attaques de ma ligne ici, c'est bien. Et vu qu'il a mis le froid, il pourra vraiment rien faire contre ça. Ah, pas cool. Ça, c'est pas cool, monsieur. Vas-y. On est quand même en train de gagner malgré ça. Malgré tout, on gagne. Ah, et qu'est-ce qu'il nous fait avec ça? Ah, il nous a carrément mis des mauvaises météos partout. Ça, c'est un joueur météo. On réduit l'attaque de tout le monde. Bon, on est d'accord que... On reste comme ça ou on utilise une carte météo? En principe, enfin, là, pour le moment, je gagne. Est-ce qu'en utilisant une carte météo, je perds? Là est la question. Ça serait cool qu'on de gagner maintenant et de perdre en utilisant une carte météo. Mais bon, avec je gagne, vu qu'il a pas doublé ses cartes. Et moi, j'ai des cartes bien doublées. Et j'ai mes trois cartes qui ont 3 de puissance en attaque, là, qui... Il monte jusqu'à 12 chacune, vas-y. Ah, flûte, 94. 94, on s'arrête à si proche du 100. Et du coup, bah vas-y, je rejoins. Vas-y, je me fais plaisir. J'ai gagné. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ça fait plus, mais ce n'était à mon avis que pour 10 pièces d'or. C'est un petit peu triste. Mais ça fait plaisir, une bonne petite victoire, ouais, des couronnes plutôt. Et ah non, j'ai gagné Philippa et la Hart. Hey, j'ai bien fait de jouer contre le monsieur. Hein. Mais je me suis perdu. Ah mais non, je suis arrivé dans un village. Je sais pas pourquoi je me suis cru un perchefreux. Et là, ça se bagarre. Ça se bagarre. En principe, j'ai une quête ici. C'est les points sur les i, là, quelque chose comme ça, Velaine. Ou les points sur Velaine. Les points sur les i, Velaine. Je suppose que je suis bien au bon endroit. Ouais, on va tenter. J'ai peut-être pas forcément le niveau, il y a moyen. Si j'esquive bien, il y a moyen. Non, c'est lui que je parlais. C'est quoi votre nom? Vous savez vous battre? Vous parlez. Gérald, et oui. Ah, alors inscrivez-vous, l'ami. Allez, combat main nue, on va tenter. De toute façon, on vient de sauvegarder. On peut se faire des pépettes comme ça. Je suis prêt à me... Tu sauvegardes, tu paries de l'argent, tu gagnes, tu continues, tu re-sauvegardes à la mythe. Tu perds, tu recharges. Ici et maintenant, sur le champ d'honneur, il va affronter le terrible Gérald, le marteau de Rive. Et comment il a su que je venais d'arrive? Je lui ai simplement dit Gérald et que je savais me battre. Je lui ai jamais dit mon nom. Je peux vous parler avant le combat? Ah mince, il va vouloir m'entuber. Non, je viens de parier de l'argent. Vous êtes plus fort que moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur. Les rivières sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, il donne un sac de farine aux gagnants. Soyez généreux. Laissez-moi gagner. Ouais, mais non, je dois te battre en principe pour ma quête, il me semble. Pas question que je perde exprès. Si vous voulez gagner... Il va falloir me... Et puis je viens de parier de l'argent tout plein, et c'est bon là. Fallait me le parler avant. On est... Ah ouais, mais du coup, évidemment, le mec, il attend pas. Il se dit, tu veux pas me laisser gagner. Et puis je dois battre Gop tout de toute façon. Donc... Enfin, après, ça se trouve, il va gagner. Vu qu'on a... Ah, quoi que... Non. Il est que niveau 4, lui. Ça doit être le dernier, le forgeron, ou Jonah qui doit être au niveau. Ouch. Mais par contre, il met des patates de forain. Ça, c'est relou. Allez, prochain enchaînement, là. Non. Ah, flûte. J'étais en train de taper dans sa défense.
Voilà. Faut pas déconner, le mec, hein. À plus, merci d'être passé, cousin. Bonne journée à toi et bon courage. Le sorceleur s'est montré trop coriace pour Gobtou. Une dérouillée pareille, ça vous réchauffe le cœur. Pas mal, pas mal. Il vous reste encore à affronter Jonah. Et ensuite, l'enclume. À la croisée des chemins. Bonne chance, l'ami. Et puis ça se trouve, il mentait, hein, le pêcheur. Hein. Il gagne peut-être pas un sac de farine. Hein. C'était peut-être une arnaque, juste pour me soutirer, pour gagner. Hein. Il avait tout misé là, et il a essayé de m'avoir au cœur. Ouais, je me fais pas avoir. Hein. Oh. Faut jouer un peu corpo là. Un peu corpo là. Non, on peut se faire avoir un peu. À un moment donné, on peut être genre sympathique, mais pas pour ça quoi. Faut pas déconner. Surtout pas quand on parle de l'argent. Bonjour. Bonsoir. Montre-nous tes marchandises. Un coup d'œil. Tu as l'air bizarre. Tu as des vêtements bizarres pour un tenancier, non? Et une sonnerie de la charge, mais dis donc. Je les ai déjà... Quasi toutes. Bon vent. Il y en a 3 ou 4. Allez, bon vent. Hors de ma vue directement, mais ça fait plaisir. Et je suis passé niveau 8. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle compétence. Je peux mettre une nouvelle compétence. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien. Ah, l'auberge de la croisée des chemins. Ouais, on peut tenter. Allez, on peut tenter. Il y avait un, mais je peux déjà y aller. Du coup, non, personnage. Non, oui, personnage. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Qu'est-ce que je peux mettre? Il y a des trucs que je vais avoir besoin. C'est où? Lorsque vous visez avec une arbalète, le temps s'écoule. Oui, ça, je vais avoir besoin à un moment donné. Très loin dans le jeu. Vas-y. Ah, peut-être pas les trois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin aussi, en principe, peut-être bien de par ici. L'ennemi ciblé devient apparemment votre allié et inflige. Ouais, ça, on aura besoin aussi de marionnettes, un jour ou l'autre. Mais ce qui est relou, c'est que je dois mettre des points de compétences dans d'autres compétences qui ne m'intéressent pas, mais qui m'intéressent beaucoup moins en tout cas. Là, on avait quasi jamais rien joué. Si, peut-être accoutumance, peut-être un jour, et encore. Là, on vient de viser. Là. L'alchimie, ça m'intéresse pas trop dans les points de compétence. Et si on a quoi? Ouais, gorgé par le pouvoir, ça peut être utile. Mais il n'y a pas des trucs avec les armures là. Augmente de 5% le regain. Ouais, ça peut être sympathique, l'œil d'aigle aussi. Encore un peu en tout cas. Ah, et ça aussi, chaque pièce d'armure intermédiaire au monde, ouais, ça aussi ça peut être cool. Les techniques de l'école, votre chat, griffon ou ours, selon évidemment l'armure que je vais avoir, si elle est légère, intermédiaire ou lourde. Donc faudra attendre. Et du coup, on va te mettre qu'est-ce que je vais te mettre comme compétence pour le moment. Ah, vas-y, je vais te mettre toi pour le moment. Pour le moment, en tout cas. On verra, mais ça sera mieux évidemment quand j'aurai plein de niveaux. Je vais pouvoir mettre un peu plus les compétences que je veux. Là, je dois faire un choix. Allez, on va tenter. On sauvegarde de toute façon avant. Oh. Gentil le chien, gentil. C'est la nuit, c'est pour ça que tout le monde... Ah non, ça se bat à l'intérieur, tout simplement. C'est un trou du cul, pas un baron, mais c'est un bandit avec un rabat de canaille en plus.
excusez-moi. Il est où le tenancier, là? L'aubergiste? Oh, l'aubergiste se cache. Alors, on sauvegarde avant, comme je disais. Et je voudrais... Et je vais me battre. Je vais me battre, tout simplement. Tu as l'air d'un combattant expérimenté. Tu tombes à pic pour notre tournoi. Coller des nions en échange de quelques pièces. Ça te tente ? En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien tenter, oui. Je suis prêt à me battre. Attention tout le monde, les paris pour le prochain combat vont bientôt commencer. Le sorceleur va affronter l'enclume, qui va lui battre sa couenne comme il bat le fer chauffé à blanc. Il bat le fer chauffé à blanc, serait-il forgeron? Ah voilà, lui il est déjà niveau 9, le précédent était niveau 4. Donc faudra... ça va être peut-être un combat d'un peu plus, long. Donc faudra enfin, surtout faire gaffe à ne pas prendre... de Nyon, justement. Allez, là par contre, j'avais esquivé. Voilà, ça c'est... Par contre, on n'a pas de place. Hein. Ah, c'est la mort. C'est la mort. Prochain coup, je meurs. Non, faut que je recule. Non, je l'aurai pas. Allez, là tu rigoles. Ah oui, c'est bon. Normalement, il a ouvert son... Il a ouvert... Il m'a laissé une ouverture au pire moment. Pas mal. Peut-être même de la graine de champion. Il te reste Jonah à battre. Bon courage. Et du coup, le tavernier, il est apparu. Il me semble qu'il va vouloir aussi... On parlait pas de... Partie de Gwent contre lui. Un verre ne serait pas de refus d'abord, peut-être. Je ne sais plus si je lui ai acheté. À mon avis, oui. Donc je lui ai bien acheté. D'abord, au revoir. Adieu. Non, adieu, c'était peut-être un peu excessif. Parlons-lui, tout simplement. Salutations. Partie de Gwent. Il paraît que vous aimez jouer aux cartes. C'est peu de le dire. Par les temps qui courent, une carte peut avoir plus de valeur que de l'or. Vous voulez jouer ? Oui, évidemment. Entendu. Alors, du coup, on avait gagné Philippa et l'Art tout à l'heure. Qui était aussi une carte héros qu'on va mettre dans le jeu. Les chasseurs de dragons, mais ça j'attends d'en avoir un petit peu plus. J'en ai qu'une. Ouais, les chasseurs de dragons qui sont pratiques quand on en a aussi deux, voire trois. Ça augmente leur puissance d'attaque entre elles. Ah, mais j'en ai une troisième ici, le misérable fantassin de mes deux. c'est le nom de la carte, hein, c'est pas moi qui l'insulte. Hein. Mais on a un misérable fantassin de mes deux en nom de carte. Et ça, c'est pas... Si c'est pas sympathique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, le misérable fantassin de mes deux, ça va peut-être être un nom. Ça, c'est bien que c'est... J'ai ces deux-là, déjà. Deux cartes espions, ok. Alors, le misérable, tu dégages. Ah non, une carte soleil par contre, hein, faut pas déconner. Et je vais commencer par des cartes espions du coup. Et pour récupérer une carte soleil, une carte météo, ça c'est vraiment le pas de bol. Et quoi, essayer de regarder trois de mes cartes, me semble. Regarder trois cartes, effectivement. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas lesquels il a vu en fait. Voilà, ça c'est déjà un meilleure utilisation.
que je fais. Je crois que je vais m'arrêter là, non ? Je vais m'arrêter là, il va jouer la carte truc mûche de toute façon. Ouais, il va jouer la carte peut-être espion qui vient de pêcher. Qui vient de reprendre. Ouais. Et puis il gagne. Bailliste de 10, mais je veux ça, moi. Je veux ça. Ah ouais, il va à fond là-dessus, le mec. Purée, 20 points. Battre 20 points. Il va falloir que j'en utilise des cartes pour le battre. Ça ferait 14. Oh, saloperie, voilà. Saloperie. Ah, le mec, il a bien. Il joue bien là, comme un idiot, il joue bien. Il va partir à fond sur. Ah, même pas. Et il rappelle une carte espion à tous les coups. Bah ouais. C'est évident. Bah, j'ai une carte espion à rappeler moi aussi. Hein. T'inquiète pas, mec. Oh, vas-y. Oh, quelle enflure. Quelle enflure. Enfin, après, c'est pas dit que j'utilise une carte espion non plus, hein, mais c'est vrai que j'en ai une. Qu'est-ce qu'on rappelle du coup? On a une sonnerie de la charge, ça c'est bien. Voilà, sauf que j'ai tout perdu pour ma sonnerie de la charge. J'ai tout perdu pour ma sonnerie de la charge. Je sais pas ce que je vais jouer. Ouais, pas de soucis. Ouais, il est en train de mettre fort ici, le mec. Il continue. Ça va être compliqué de le battre, hein. J'ai ma carte météo. Au final, ça serait peut-être intéressant de jouer aussi ma carte... Ma carte froid mordant maintenant. La jouer ici parce que pour le moment je n'ai quoi, je n'ai que 15, enfin que 15, j'ai 15 et lui il se situe à 16 au final, bof. Non mais j'ai plus une carte qui passe. Vas-y, non. Ma carte soleil, je suis à combien? 41. Va falloir sérieusement que je joue ça. Oh, et je crois que je pourrais même pas jamais gagner la partie suivante. Je pourrais même pas la gagner. Ou alors si, il faut que je... Ah, mais ah, j'aurais pas dû jouer ça, je suis idiot. C'est ça que j'aurais dû faire plutôt. Ah, mais on a égalité, t'es sérieux, le jeu? Oh, le pot de bol. Bon, bah c'est la lose. C'est la lose, à mon avis, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Ah, quoi que c'est vrai que je pioche une deuxième carte. Enfin, une autre carte. Qui était une carte attaque. Bon, voilà pourquoi j'étais deuxième. Et il va rappeler qui? Il va rappeler une tour. Ah, même pas, il rappelle une carte espion, évidemment. Bien oui, c'est l'idiot.
Eh vas-y, il va rappeler quoi maintenant? Une autre carte espion, c'est possible, non? Ouais, je crois que je vais utiliser ça. Et on va voir. Il a 4 cartes à jouer, vas-y, le temps dégagé évidemment, il va me rebalancer tout plein d'attaques au corps à corps, ça se trouve. Voilà. 12. 15. Ah. Mais pourquoi il joue sa carte météo, ce con? Ah, ça servait à rien. Ah, j'ai gagné de pas grand chose. Ah, le bol. Ah, le bol. J'ai joué et j'ai perdu. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Oh, ça fait plaisir de gagner. J'étais vraiment pas sûr. Menokur. Ouais. Ah, Jonah, par contre, on le bat pas maintenant. Une quête au niveau 11, on va la faire à ce moment-là. Mais. Ah, mais quel enfer! Non, pas elle, l'autre. Les dames de la forêt. Alors, trouver les moires, oui, ou utiliser vos sens. Effectivement, sentier des douceurs, on doit y aller. C'est par où? C'est loin. C'est très loin, on a un village d'abord. On va d'abord aller visiter, du coup, on va retourner à Valtilleul. C'est lui là qui est quand même la zone la plus proche à laquelle on peut se téléporter. On va partir au village ici. Pour vraiment la voir au cas où on devrait s'y re-téléporter un jour ou l'autre. Allez, Ablette. Doucement, doucement, on est dans un village, il y a des gens. Il y a des pauvres là, éternus devant ma gueule. C'est dégueulasse. La route, faut descendre. On va jamais descendre. Ah, débordé. Mais arrête-toi! Je demande de m'arrêter, il s'arrête, non? Allez, attaque pas mon cheval, hein! Mais il a quoi, le monsieur? Pourquoi il a un nuage? Bon, satané bandit! Bien coupé celui-là, on l'a bien coupé en deux là, avec son autre partie ici. Rien à fouiller ici, y a rien à fouiller non plus. Ah, quel gâchis. Ah, flûte. Remonte, tu peux remonter? Ok. Non, il y a l'air d'avoir un coffre. Allez, un peu à pied, on va s'éloigner pour rappeler notre cheval. Il va sortir de par magie de son trou. C'est magique. Ça apparaît quand je siffle.
Ah ouais, non, non. Saleté. Non, non, saleté, on a dit. On se casse, c'est de la saleté. Et du coup, évidemment, la route m'indiquait évidemment pour la mission et non pour le point que j'avais posé. Ce qui m'embête, c'est que du coup, je suis peut-être passé du mauvais côté de ces montagnes. Effectivement, ouais. Non, mais... Oh, il saute. Du nerf, Blett. Ouais, du nerf, non, peut-être pas, en fait. Faut faire demi-tour. Attendez plus à ce que tu sautes. Faire le tour de la montagne. Faut passer par ici. Au galop, Ablett. Ah mais non, il sera pas y aller. Bon, je vais y aller à pattes. On va y aller avec mes propres pattes. Mais il y a des harpes. C'est quoi là, ce dragon là qui vole? Ouais, ça pue l'embrouille. Oh, ça pue. Je voulais simplement aller à un village, c'est tout. D'abord. Voilà, on y arrive. Doucement, difficilement, mais on y est arrivé. Faut vouloir y aller hein, dans votre village, hein, les gens, vous êtes au courant. Prochaine fois, je viens plus. Hein. Et encore, j'ai même pas vu forcément de panneau. Il y avait un panneau au moins. Revenu. Il n'y avait même pas de panneau. Quelle arnaque. Je suis venu parce que je me suis dit qu'il allait avoir un panneau. Oh, quelle embrouille. Quelle embrouille. Bon, ben on va arriver juste marchant. Oh, même pas. Et vas-y, marchand, réveille-toi. Réveille-toi, marchand. Il est l'heure de se réveiller. C'est le jour. Vieille femme aussi, réveillez-vous. Ah, il dort ma terre le seul. Ah, même la terre. Bon, bah c'est dommage. Faudra que je revienne plus tard. Ouais non, par contre, je dois avouer que je vais quand même sauvegarder avec toutes ces harpies, ce dragon que j'ai vu juste avant. Ouais, évidemment, je peux plus. Ah ben non, ouais, évidemment, je suis déjà en combat. C'est bon, là, je suis plus en combat. Apparemment, la créature a décidé de se casser. Elle avait où, là, c'est un sorceleur, je me tire. Elle a eu peur. Elle a bien eu raison. J'ai pas forcément envie de l'affronter de suite. Même si je peux gagner le combat, hein. Même si c'est facilement. Retournons, on est bientôt arrivé au point de destination. Alors, le sentier des douceurs dont nous avait parlé la petite Gachka. Oh. On détruit le bonbon, il y avait des asticots à l'intérieur. C'est d'un frais. C'est d'un frais, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Petite interaction avec ça, non? Pas de petits commentaires. Bon, on sait que ça veut dire que c'est par ici. Oui, il devrait y avoir un petit commentaire, non?
Non, non, la zone. Le cercle bouge au fur et à mesure. C'est vrai qu'on sait jamais si le cercle va avancer ou bien s'il faut avoir. Parfois faire une petite interaction. Pour qu'il avance, justement. Là, c'est bon. En même temps, il n'y a qu'un sentier après tout. Pas très compliqué de se perdre. Mais. J'en suis capable, je peux le faire! On peut le faire, regardez, un petit coffre, on oublie où est la route, et puis boum, on s'est perdu, on ne sait plus d'où on vient, et on fait demi-tour sans le vouloir. Le chien avait très faim, il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc, j'en ai fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3, celui qui ira chercher du bois c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Je cherche les sorcières du marais de Torseshi. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moi? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai, d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger. Vous ne voulez pas m'aider, d'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du marais. Il n'y a pas de sorcières ici. Juste des grenouilles. Et des serpents. Et Jeannot. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Qui est Jeannot, hein? Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires, toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau mon nez, voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie, tu es vraiment un amour. Elle a comme dit que t'avais un bec, hein, je sais pas. Vous vous occupez de ses enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? À moi. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Oh, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère, et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je vous en prie, aidez-moi. Vous voulez dire parler?
Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. N'apprendrez rien, vous. C'est parce que je ne sais rien. Mais dis-moi que tu ne sais rien. Des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Quel vilain mot. Méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Bon, va falloir certainement que j'aille parler à ce petit Jeannot. Mais d'abord au petit gamin, quoi, celui qui va dans la hutte, pour qu'il me parle de Jeannot justement. Je suppose. Vite, vite, camouflage. Mince, elle m'a vu. Mais comment tu veux que je parle au gamin si la grand-mère est à côté? Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Il est étranger, il vole des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Salut Biloute, comment ça va? Elle, ça va très bien, hein. Au revoir. Witcher 3. Genre marche de la mort, on essaie de chercher Ciri, hein. Et du coup on est au marais de Torsichine, si l'un d'entre vous le connaît, avec les sorcières des marais, ou la sorcière comme un lundi. Ah c'est génial, quand on pose la question tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a les trois quarts qui répondent comme ça, comme un lundi, comme un mardi, comme un mercredi, l'un d'entre vous pas mal. Déjà vu, tu m'écoutes en fond, bah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. On va devoir retrouver le petit Jeannot, hein, qui se cache quelque part dans ces marais. Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. J'ai vu que t'avais bien avancé sur Need for Speed. Le garçon qui joue avec Jeannot. Courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Oh. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. Il n'existe pas. Il mange des escargots. Bah. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. On va devoir jouer à cache-cache. Hein. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Bah oui. Je connais pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. Ça veut dire 20. Mais si je ferme les yeux, je peux pas compter mes doigts. 18, 19, 20. Attention, me voilà. Et quoi, il a plus le temps de se cacher, lui, en 20 secondes. Et du coup, on va être malin, hein. On utilise évidemment notre pouvoir de sorcerer. On va tenter. Et c'est encore la technique. Utiliser notre pouvoir de sorceleur contre des gamins, si c'est pas honteux. Et du coup, on en profite évidemment pour voler ces pauvres. Y a pas de raison. Pas de raison. On les vole, ils sont relous. Ils sont relous. Voilà, gamin, ou gamine. Je peux te voir. Comment vous m'avez trouvé? Oh, qu'est-ce que tu crois? Je suis sorceleur. Et je sais faire des choses que tu n'imagines même pas. Par contre, on a que ces tracelles. Non. Ah, là, on a d'autres pattes, d'autres traces de pas. Dans le tonneau? Ah non, il est monté à l'étage. Et comment je monte à l'étage, moi? Comment je monte au... Ah, c'est vrai qu'on a une touche pour sauter.
C'est avec la touche serpe du coup. Si on arrive à se mettre quelque part en face de l'escalier, de l'échelle. Ah, en tout cas on a réussi à monter. Ouais, ça glisse. Et il s'est foutu de ma gueule, non? Il y en a un, il s'est foutu de ma gueule, je l'ai entendu. Ah ouais, il est dans le tas. De ta cachette, je te vois. Et c'est bien, ils se cachent bien les gosses, hein. Ils seraient sans utiliser les pouvoirs, par contre, là. Ouais, toi, je t'ai vu, t'as pas de chance, hein, petite gamine. Te voilà. Toi, c'est vraiment du pur hasard. Ah, c'est verrouillé, là. Et du coup, il y a pas d'autres traces. Ah, tu vas pas me faire croire que j'ai... Ah, là-bas, peut-être. Ouais. Mais bravo, il se cache dans la maison que je... Du copain à Jeannot. Ah, il est passé par la fenêtre. Ah, malin. Malin. Putain, grand-mère, je vole tout ce que tu as. Tu seras encore beaucoup plus pauvre qu'avant. T'apprendra. Bon, la fenêtre, elle était ici. Poursuivons les traces. Tac, tac, tac. Bah, il est là. J'ai trouvé tout le monde. Et la petite fille, bah, elle était forte. Vous voulez bien nous apprendre un sort ? Eh, oh. Vous avez une promesse à tenir. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère ! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe ! Grand-mère, viens vite ! Moi, leur agir quand ils vont voir qu'elle s'est pas fait si Yagana s'est pas fait piquer par une guêpe. J'ai rien à dire, rien du tout. Si. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. T'as pas entendu que Yagana s'était fait piquer par une guêpe? Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Où sont tes parents et ceux des autres enfants ? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. Ça va aller, mon garçon. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal, promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière, dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Merci, petit gamin.
compte, quand t'as dit qu'ils étaient orphelins, Gérald, c'était peut-être pas sympathique de poser, demander où étaient les parents, quoi. On t'a dit qu'ils étaient orphelins. Ça voulait forcément dire que, en principe, ils étaient morts de mort. Hein. L'intérieur ou... Ça doit être à l'intérieur que situe les fleurs. Allez, à la poursuite du Jeannot perdu. Ah. Bah oui, évidemment. Super. Bah oui, super. J'adore, merci. Yes. Ah, mais il y a... C'est... Ah, mais il y a une guenaude, là. J'avais pas... La guenaude. Et hop, alors, si enfin, alors balette. Je devrais trouver des empreintes de pas. Oh là là. Hop. On va sauvegarder. J'aurais dû le faire déjà avant de quitter les petits enfants. Et si j'étais mort ici, bon à mon avis, j'espère que je reprenais juste après le avoir parlé au petit gamin. Jeannot est passé par ici. Ah, mais c'est ces empreintes-là, il y a tellement d'empreintes. Oh, il y a d'autres empreintes de. Le petit enfant, hein. Eh, vas-y, c'est quoi? Aïe, 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 mais... Oh, mais j'ai bien fait de sauvegarder. ben, je suis mouru, hein. Ah, du coup, ne l'oublions pas. Hop, mort. La première mort du live. La conjonction des sphères a conduit des monstres et des races d'autres royaumes dans le monde du sorceleur. Ah. C'est pas une bonne nouvelle, cette conjonction des sphères. Ouais, mais la potion hirondelle n'est valable qu'en combat, mais j'en ai plus. Il faut que j'aille me reposer. Pour refaire un petit stock. Ah ouais, il faudra effectivement enquêter sur l'histoire du professeur Moreau pour... Et qui a fait des études et autres sur les mutagènes. Ça sera très pratique, mais c'est malheureusement pas de suite. Encore une fois, encore trop tôt. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Ah, il n'y avait pas que Jeannot. Il n'y avait pas que Jeannot. Passer au loot. Mais reviens, gamin! Ah, mais non, mais on reprend ton épée par contre. Hein. Sois pas idiot à ce point-là. Mais quel enfer!
pas de loot. Il y avait un quatrième, on avait vu. Ah, mais reprends une épée, Gérald, s'il te plaît. Mais reviens, gamin. Ah, il flûte, un peu d'idiot. Bon, retrouvons les traces du gamin. Les traces de pattes sont ici. Tourne par ici. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Oui. Ah oui, jeter un œil en appelant Jeannot. T'as un pote, il avait fait un build de potion, il m'a dit que c'était grave cheat. Sérieux? Ça. Les potions, ça. Enfin, je sais pas, ça me semble tellement pas intéressant à jouer. Enfin, après faut voir, hein, peut-être. Mais c'est vrai, quand je lis les compétences, en tout cas, de potions, ça m'attire pas trop, en tout cas. Tu es un buka? Un lutin, alors? Ah. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux. Ah, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir différents builds dans le jeu. Raconte-moi tout de voir ce qu'on peut faire avec. Où l'as-tu vu? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ouais, mais ça il sait pas. Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. Peut-être, est-ce qu'on va l'aider? Il faut malheureusement l'aider, enfin il faut malheureusement, pas forcément malheureusement, mais il faut aller l'aider, effectivement. Si on, vu qu'il, apparemment il a vu Ciri, hein. Enfin en tout cas une fille avec des yeux cendrés. Tu veux bien m'expliquer? Bien, allez viens, oh là là, facepalm. Facepalm de Jeannot. Suis-moi. Tu dois le suivre. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Bah, ça dépend. Si tu veux avoir des informations et autres. Il y a des créatures. Ouais, il y a des créatures tout plein. Par où il nous emmène le petit Jeannot là? It was a trap. Il fait partie des méchants. Aïe aïe aïe. Ah, Jeannot, sale traître. C'est un traître à mon camp. On va devoir le châtier, le petit Jeannot là. Ça fait pas plaisir.
Quand viendra le temps du froid blanc, ne mangez pas la neige jaune. Conseil, purée, sérieusement. Ne mangez pas la neige jaune. C'est un conseil de tout temps, de toute façon. Pas forcément à la venue du froid blanc. C'est vrai que il y a certainement plus de neige jaune lors du froid blanc, mais bon, c'est pas mal. Alors, ah, on suit Jeannot, ça va. Il m'emmène dans un piège, hein, on l'a remarqué. Il va falloir que lui donner une petite raclée. Hein. Ah ouais, mais non! Te fais pas avoir comme ça, s'il te plaît! Ah, mais je vais remourir! Mais quel enfer! Ah, mais il y a une ruche en plus à côté, j'avais pas vu! C'est de me piéger le gamin. On peut pas les contourner. Et bah Ablette, il est toujours là-bas. Ah bah on va peut-être devoir affronter les petits dragons là. C'est ici. Qu'est-ce qu'on cherche? Bah ça voit. Ah, le petit dragon. Quelque chose sur la corniche t'aidera à retrouver ta voix. Tu veux que je grimpe, c'est ça? Ouais, bah grimpons, la blette qui est toujours là. Là où je l'avais laissé. Je le savais. C'est pas pour rien que je l'avais mis là, par contre je peux pas sauvegarder ici. Ah, les harpies aussi, il y a moyen en principe quand on les a fait tomber au sol, de pouvoir les achever directement. On a un petit... Ah, voilà. Ah flûte, je l'avais eu, l'action, la touche carrée, j'avais appuyé pourtant. Aïe, aïe. Mais allez, l'harpie. Tiens. Ouais, non, par contre, là, le dragon, au pire moment. Aïe, aïe, aïe. Mais vas-y. Il veut pas, Gérald. Et je me trompe de touche. Ah bien ça. Alors le dragon qui est tombé à terre. Plaisir. Enfin le dragon. C'est un dragon mais c'est pas forcément un dragon. On va le savoir bientôt. Une wyverne. Oui c'est déjà une wyverne entre les deux. Une
pouvoir maintenant ramasser les harpies. Et les mutagènes. Et on a du coup une plume de corbeau et surtout une bouteille fermée. Voilà sans doute la fameuse bouteille. T'as jamais parlé de bouteille, hein. T'as juste dit qu'il y avait quelque chose qui intéressait Jeannot, c'est tout. C'est peut-être les plumes hein, qui l'intéressent. Va savoir. On connaît pas encore le petit Jeannot. Hein. Bête de champignons là. Tiens. Hello. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Ben ouais, ben oui, évidemment, Jeannot, mais bon, on avait déjà convenu plus ou moins de ce banal échange de faveurs avant de faire un acte généreux. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leur chien sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires, ils n'aident personne. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre! Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté, en tout cas c'est une magie puissante. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés, ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféqué face au soleil levant, quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation, tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants, comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée, parce qu'elle avait dérangé ma routine, mais... J'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendu. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Je suis passé par le village du marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru... perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas, tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais?
Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait ? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Ah, le petit Jeannot. Je sais pas si on le préférait. Il est nul, je dirais. Streamer est. il est nul, je dirais. Sympathique, Biloute, merci. Merci du soutien. enfoiré, va. ouais, je suis nul, hein. Je suis pathétique. Rien, c'est gratuit, ouais, je suis dégueulasse. Ça te fait plaisir, bah tant mieux alors. Continue, fais-toi plaisir. Mais quel nul ce Jeannot, il m'envoie que dans des pièges. Ah, et une guenaude. Mais vas-y, la guenaude qui fait du dégât. Et qui va me tuer. Évidemment, je commence le combat, j'ai plus de bouffe actif. Je m'en rends jamais compte de suite. Aïe aïe aïe. Non, ah, et flûte. Une de plus, hein, que voulez-vous? Il y en aura, ça sera pas la dernière, loin de là. On va en pouvoir encore moult morts. Merci Biloute, merci pour le partage. Ça me fait plaisir. Tu méchant le streamer, mais à la fois sympathique. Méchant et sympa à la fois. Ah, je ne sais plus que penser de toi du coup. Dois-je te haïr? Dois-je t'aimer? Ah, un mélange d'émotions se mêle en moi-même. Il raconte dans leur merde. Ce type est fou. Si, il y a Nika, mais lui, il était, je crois, il était en vacances ici, donc il va reprendre certainement cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, il y a un nouvel arrivant qui vient d'arriver, mais je ne sais pas à partir de quand il va commencer. J'ai pas fait encore attention au planning de la semaine, faut que je le fasse après. Si, il va commencer direct du coup mercredi, c'est ça? Attends, le 1. Ah bah si, il y en a un nouveau. Le nouveau qui va commencer mercredi. Alors j'ai pas de bouffe, donc il faut que je remette une bouffe juste après. Dès qu'on arrive à la baraque. Apparemment, ce nouveau, c'est un vieux de la vieille, en tout cas sur le forum. En tout cas, un bien ancien, de ce que dit Nico. Alors, on va essayer au moins de tuer les petits noyeurs, là, pour ne n'avoir que plus que la guenaude. Aïe, 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 la guenaude. Ah mais non, la guenaude par contre. Non, la guenaude. Elle veut pas que je m'occupe du noyeur. Hein. Elle veut l'attention pour elle. Voilà, le noyeur c'est mort, plus que la guenaude. Mais bon, maintenant c'est pas pour autant qu'il faut que je merde. Faut que je fasse gaffe. Ah, mais non, ça c'est... Non, c'est le moment où te taper, justement. Au moins un ou deux coups. Allez, bah vas-y, l'esquive qui passe pas. La roulade.
Ghost of Tsushima. Et apparemment, il va découvrir. Donc, je sais pas si c'est la Director Cut ou la version de base. Je sais pas si quelle version il a acheté. Enfin, oui, c'est en tout cas procuré. Et du coup, je ne sais même pas si c'est forcément sur PS4, PS5. Hein. Faudra, on découvrira tout ça. On posera les questions. Mais bon, apparemment, il a découvert le site quand c'était encore vraiment la première version là, PS3 THC là, quelque chose comme ça. Vraiment un très vieux, un très ancien. Un des tout premiers même à mon avis membres. D'après ce que dit Nico. Hein. Non, maintenant, ça serait bien d'arriver à battre cette guenaude. Ah, du coup, ouais, c'est vrai qu'on parle, mais je l'ai pas fait. On va m'en vouloir. Allez, Jeannot Lapin. Et la bouffe, elle est mise. Vas-y, c'est lui qui m'a eu. Je l'ai eu. Le petit noyeur, c'est bon. Il reste plus que la guenaude. Allez, mais je lance mon pouvoir. Eh, mais elle s'en fout complètement. Super. Ça aurait dû la déstabiliser, en principe. Pas du tout. Continue, Jeannot. Avance. Mauvaise troupe. Mais avance, Jeannot. Si tu n'avances pas, je ne sais pas avancer. Je ne sais pas de quel côté tu veux aller. Petit champignon, certainement. Du fourré, là. Du petit fourré. Ah mais on est bah oui, c'est vrai qu'on va revoir la vieille. Il va parler à la vieille. Parfait. La voix est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle. Lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Ah! Ah ah, tu es prise au piège. La jeune fille aux filles cendrées, aux cheveux cendrés, où est-elle, madame? À propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, j'insiste pas pour les voir, je recherche juste une fille. En plus. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis.
Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Ah, merci, Jeannot. Merci, folle alliée. Allez, des bisous, Jeannot. À la prochaine. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Ça doit coûter cher en bougie, par contre, cet hôtel. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Beau et intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Eh oh, hein. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Oh, je suis en réunion, mais j'oublie pas les vides. Merci, Biagio. Pas de soucis, t'inquiète pas. Hein. Ça se passe bien ta réunion? J'espère, je en tout cas. Rencontré. Je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? A priori, non. Dans une période de troubles, toison blanche. Frère contre frère. Et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuternier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuternier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin. Et je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague. Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Ah ben voilà, les dames de la forêt. On voit à travers une tapisserie pour le moment, en tout cas. J'arrive. On verra. Bon, on a fait un petit échange, hein, évidemment, de faveurs. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Ça crash. Bravo le jeu. Bravo. Merci la dague, j'en avais pas besoin, vous savez. J'aurais pu faire réussir sans. C'est magnifique. C'est magnifique. On va faire un compteur de crash tant qu'on y est aussi. Combien de fois les jeux crash en live? Ou combien de fois OBS crash?
Ouais, c'est moche. Bah, on va certainement réavoir le texte, le blabla. Peut-être un combat avant. Bon, on verra. Où on revient. Le texte n'était pas fini. Bon, après, c'était juste du blabla, hein. Il restait encore un petit peu, à mon avis. Pas grand-chose. Du coup, bah, les dames de la forêt, hein. On pensait pas forcément effectivement qu'elles allaient ressembler à ça, mais apparemment c'est le cas. Allez, alors, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage. Dans le ah, oui. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance. Il nous parle des marées, mais du marais de Torséchine, heureusement, parce qu'on savait tout le reste. Une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. On savait déjà tout ça. Les moires, on avance sur les moires, hein, du coup. Honneur, sagesse, générosité, bravoure et compassion. Sont là les traditionnelles vertus chevaleresques. Et comme le dit l'adage, les traditions sont sacrées en Toussaint. Mais on a le temps avant d'aller en Toussaint. Ah, alors, on reprend une partie de... Oh, t'es sérieux? On reprend le combat contre la guenaude et les deux. Oh, pas de bol. Pas de bol. On recombat la guenaude et le noyeur. Hein. Et les deux noyeurs, du moins. Ah, si, ça va. Oh! Il est où l'autre noyeur? Il est là-bas. Il était là-bas. Voilà, il reste plus que la guenaude une fois de plus. Et qui fuit un peu le combat, hein. Je sais pas pourquoi. Non, ça c'est beaucoup trop tôt, Julien. Ah ouais, par contre, si je me coince après... Ça va pas le faire. Non, 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 faut que je recule. Au tempo. Non, non, pas une, pas deux. Pas... Ah, non, 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 je me suis coincé. Je suis coincé. Purée. Saloperie, va. Non, non, je préfère tempo. Je préfère pouvoir encaisser un coup que y aller au grid. Hein. Ouais, surtout qu'il fallait quand même donner 3 coups d'épée encore. Hein. Un ou un, ça aurait pu passer. 2 à la limite. Mais 3, peut-être c'est au moins un trop. Hop. On va sauvegarder quand on va arriver près de la cabane de grand-mère. Pour éviter de devoir tout refaire. Hop, non, pas ça. De bout de temps. Gardons. Voilà.
Et on va zapper, évidemment. Passer les dialogues, on a vu. Le gentil craque soudain lui dit des... Tu... Oui, mais... Tu n'aurais pas dû venir. Calme-toi, grand... À propos de la... Non, c'est un... Je vous en prie. Il sera sage, grand... Eh bien, maintenant... Qui sont ces femmes? Oh, ravissante. Comment oses-tu? Quel beau et intelligent. Alors, on va dire les mêmes phrases, évidemment. Peut-être n'aime-t-il. Siri, c'est important pour moi. Je crois que nous... Oh oui. Vous... Nous vivons. Nous sommes vos prêts. Sombre prêtre. Par là, les jeux. Quand les jeux. Je vais parler à les jeux. Qu'est-ce que tu attends? Quant à toi. Oui, maîtresse. La dague, voilà. Allez, tu ne craches plus. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'y ai cru. Placez le paiement de l'échevin sur le pied. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Alors, renseignez-vous sur le problème du village auprès de l'échevin de Cuterrier. On a déjà été à Cuterrier en principe. Ah, mais était-ce l'endroit qui avait au moins un point de téléportation? Pas sûr. Alors, Cuterrier, c'est là-haut. Ouais, c'était évidemment le village qui n'avait pas de... de voyage rapide. Hein. Elle te plaît ou pas? Elle te plaît ou elle te plaît pas? Mais y a pas besoin de l'épée en argent pour eux. L'épée en acier, ça suffit largement. Ce sont des bandits. Ouais, non, mais il y a un archer là. On va plutôt s'attaquer à lui. Enfin, en tout cas, faire qu'il ne soit plus archer. Allez. Ah oui, il faut que je tente ça aussi. Non, complètement. C'est vrai qu'il va falloir que j'arrive à faire 50 tirs à la tête avec une arbalète. Allez, on y arrive. On en pas. Tant pis. Ouh, mince, idiot. Je pensais pas que j'étais aussi proche. J'avais bien vu barrer l'explosif, hein, c'est pour ça que j'ai balancé la flamme. Mais je pensais pas que j'étais aussi proche que ça. En tout cas, j'ai bien reculé en arrière. Hein. J'ai fait un beau petit bond, là. Mais enfin, ce fut fort sympathique. Pouvez-vous ravitailler en potion en méditant? Effectivement, mais pour ça évidemment il faut avoir un alcaest en stock, parce que c'est ce qui est utilisé pour ravitailler les potions, du coup, comme ils le disent.
Mais ouais, du coup, un build de potion, ouais, faudrait gaffe avec le niveau d'intoxication. Ce serait intéressant à voir, mais du coup, build de potion, mais dans quelle difficulté aussi? Non, allez, c'est bon. On a eu une petite sauvegarde auto après le dialogue avec les moires. Où étaient ces moult bandits? Par ici? Ouais, c'était par ici. Ok, je recule. Moi, par contre, c'est bon. Bon, j'en aurais au moins eu comme un comme ça seulement. Ouais, et encore, il est même pas mort. Il est même pas mort. Ah, mais vas-y, il s'est fait avoir par quelque chose. Ah non, non, non. Hop, j'aimerais bien. Non, non, non. J'aimerais bien au moins un corps à corps. Enfin, un. Dans la tête. Oh, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Pas sûr de l'avoir eu du coup. Mais Ablette, par contre, tu dégages du terrain là. À un moment donné, tu t'éloignes. Tu tournes pas en rond comme un débile autour dans un champ de bataille. Ça me paraît. Je sais pas. Mais sérieusement, y a pas moyen, y a merde. Il a pas une compétence pour arracher les boucliers, Gérald, par contre, ça pourrait être pas mal ça. On peut faire des contre-attaques aussi. La touche carrée pour attaquer. Voilà, tu dégages, t'es relou toi. Tu me saoules. Je suis pas sûr du coup d'avoir fait mon headshot à l'arbalète. Le truc c'est un peu dégueulasse. Allez merde. Oh et par moment j'essaie de monter sur ma monture et elle se barre. Ablette, t'es un peu... Non, c'est pas bien, Ablette. Tu as tout fait sauf bien. Faut arrêter de mentir, Gérald. Ablette n'a pas bien travaillé. Ah, ben voilà le marqueur de Cutérier. Il était un peu vers l'est, au sud-est. Évidemment, j'étais venu par le nord. Non le vendeur est là, par contre, maintenant. Il est là ce matin, il est réveillé. On est d'accord, effectivement. Que vends-tu? Que proposes-tu à la vente? Du lait caillé ultra frais, des œufs couvés du jour, sans une trace de fiente. Presque. Ah, mais c'est dit donc, c'est fort intéressant tout ça. C'est fort intéressant. Tu n'as pas de carte. Ah, par contre, non, vas-y, je m'en fous, je vais te vendre mes armes là. Gonfle. Je te vends ma merde, comme on dit. Achète ma merde. Merci. Un peu de thune. Adieu. Adieu, alors carrément, non. Toujours un peu fort, je trouve, Gérald, de dire adieu. On veut simplement dire au revoir parce qu'on va faire une petite partie de Gwent pour se changer les idées. C'est peut-être ça la menace qui pèse en ce village. Et puis on a gagné une carte tout à l'heure. Je ne dirais pas non à une partie de Gwent. On va y aller comme ça. On avait fait gagner Philippa et l'art. On va peut-être gagner une carte. Ah, il joue qui du coup le monsieur là? Qui joue?
moi. Il joue les monstres. C'est ça, roi de la chasse sauvage, ça fait longtemps que je... Non, on s'en fout. Prenez une carte météo dans votre jeu et jouez-la instantanément. D'accord. Donc apparemment ce sont les monstres. Donc j'ai une carte froid et ça c'est cool. Les cartes froid contre les monstres, c'est le bon plan. Par contre j'ai plus de carte soleil et il va pouvoir jouer une carte météo et ça c'est pas cool. Pas cool. On va voir comment ça va se passer. Ah. Pour le moment ça ne se joue pas vraiment comme j'attendais. Ah voilà. Il est en train de faire des choses pas sympas à mes archers. Comment je joue? Je vais peut-être récupérer une de mes cartes et abandonner. Ce serait pas mal plutôt que tu me donnes la vraie valeur en fait quand je regarde en grand comme ça. Je crois que je vais récupérer, je vais aller abandonner à mon avis. Ah c'était 4, ouais, j'aurais dû prendre le monsieur je pense. Et voilà, ça commence à jouer comme je m'y attendais. Et il appelle qu'un copain. Donc l'écartement c'est principalement là-dessus que ça va jouer. Ça se base donc sur des cartes avec qui peuvent appeler des copains. Donc là il appelle lui, il va en mettre une autre carte qui va appeler d'autres copains encore dans son deck. Et hop ça monte assez vite du coup. La puissance d'attaque, il passe de pas grand chose à énormément beaucoup en un rien de temps. Et puis du coup, de ce énormément beaucoup, j'aime bien utiliser le froid mordant pour réduire tous ses efforts à néant, plus ou moins. Mais je vais abandonner ce tour. La carte météo ne me plaît pas. Et encore, c'était pas forcément sa carte... C'est pas sa carte maîtresse, c'est à son chef. Et la particularité des monstres, c'est qu'il y a une carte qui reste sur le terrain, une carte aléatoire qui est sur le terrain qui reste en début de manche suivante, quand il gagne. Donc là je gagne. Hop. Là. Ah non, c'est même pas quand il gagne, c'est tout le temps en fait, d'accord. Super. C'est super, c'est l'arnaque. Peut-être pas dû mettre un direct. Et voilà, il y passe. Oh, j'ai rappelé des archers. Rappelons un archer. J'aimerais bien un archer. Bah du coup, Sabrina, on va te rappeler. Parce que la première ligne, je vais utiliser mon froid mordant à un moment donné. Donc l'attaque ne va pas m'intéresser plus que ça, la première ligne. Voilà, il joue malheureusement la pluie torrentielle, c'est bien ce qui me semblait. Il allait la jouer, quoi. Je me suis dit que, vu qu'il avait joué à des armes de siège, là, il allait peut-être pas forcément la jouer pour autant. C'est idiot, hein. C'est dommage pour lui, hein, parce qu'il met tout en attaque. Il pourrait mettre les deux dernières cartes, il aurait pu les mettre en archer. Dommage pour lui. Bon, je suis en train d'y aller en plus de ça. C'est pas grave, on va quand même réduire. Et on va aussi, du coup, on l'a pas encore fait, doubler. Hein. Ah, c'est vrai qu'il avait encore sa carte chef qu'il n'a pas joué, du coup, aussi. Non, il l'a pas joué. Ah, quoi que si, il a peut-être bien joué. Enfin, non, il l'a passé. Donc, de toute façon, j'ai gagné. Bon, là, ça n'a pas été fameux, l'exemple des... Il n'y a pas appelé des cartes en veux-tu en voilà, et j'ai bien gagné une carte, hein, donc j'ai bien fait de jouer contre lui.
Charmant village. Ouais. Vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Tu vois bien par ici? Ouais. L'hiver sont rudes. On survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Bien. Vous savez qui m'envoie. Ça simplifie les choses. Pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoient. Elles vous aident souvent? La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes, et la vie est ainsi faite. Elles nous ont protégés des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... on s'en tire pas trop mal. Une fille aux cheveux cendrés a rencontré les dames de la forêt, vous l'avez vue? Je ne l'ai jamais vue. Ça, non. Posez votre question aux dames. Peut-être qu'elles vous répondront. Elles entendent tout, vous savez. Elles ont des informateurs? Les bois sont leurs yeux et leurs oreilles, et rien ne leur échappe. De la plus petite médisance aux prières les plus sincères. On raconte qu'un jour, un porcher ayant perdu une truie s'est assis sur une pierre pour pleurer. Alors, la truie est sortie des bois comme si le diable lui-même était à ses trousses. Non, je peux demander. Vous avez déjà rencontré les dames de la forêt? Jamais. Mais elles ne se montrent qu'à de rares élus. J'espère qu'un jour elles m'estimeront digne de les rencontrer. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Bon, en fait, c'est peut-être pas trop de détails, mais il faudra peut-être un petit peu, effectivement. J'ai besoin de plus de détails. Ah, c'est toi qui voulais, qu'on voulait pas. Faut savoir, hein. J'étais genoux, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Ça dure depuis longtemps? 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie. Bébé difforme, tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tekla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elles vous envoient. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Allez! Oh, appuyez plus. Thank you.
Il y en a un autre ? Non ? Peut-être, mais pas trop. Ah, mais si, voilà. Encore un autre, sérieux ? Un peu relou ça, hein, les marais pour ça. T'as personne et puis tu d'un coup tu te retrouves avec 50 mecs. Allez, ah non mais non, par contre il y a une tête de mort hein, au-dessus celui-là, hein. Faut pas déconner. Je l'ai vu. Hein. Elle fait le tour. Voilà, avance. Il y en a rien dans une zone de recherche. Découvrez ce qui tue les villageois de Cuterrier. On va découvrir un petit peu, puis malheureusement je vais devoir un peu vous abandonner. Plutôt que prévu. Trouvons des traces, choses. Regarde ces petits sons là. Voilà. Ah, des morsures. On devrait certainement y arriver une sorte de tanière, quelque chose du genre. Peut-être bien. Croisons, et sauvegardons au cas où. Croisons les doigts et j'arrêterai là. Les morsures, c'est tout. Ah, suivant, on a un bruit un peu plus rouge dans tous les bruits que l'on entend. Des loups en veux-tu, en voilà encore. Un pieu de viande crue, c'est pas trop mal ça. Ah, on a trouvé l'entrée. On a trouvé le jeu, l'a trouvé en tout cas pour moi. C'est toi, je profite de l'arbre. Moi je l'ai pas vu. Oui, exactement. Ah, par ici. Ouh, ça glisse. Et on se sert. Ah mince. Ouais, par contre, là on peut pas déconner, on va utiliser une huile, ça fait longtemps. Est-ce que je l'ai? Nécrophage, non, créature maudite, oui. Il me semble que c'est une créature maudite. Enfin, j'espère que c'était la bonne. Vérifions. Vérifions le bestiaire. Créature maudite. Nougarou, oui. Mais je vais mourir, moi. Bon. Oh, super, l'arbalète qui fait un dégât. Ah, je vais mourir. Ah, ça semble en tout cas bien parti. On va devoir utiliser le Quen à la place de Igni. Oh mais vas-y, je mets le Quen et je me prends un coup juste après, dans la seconde. Et presque. Moi, on le tient un petit peu à distance, ça permet de régénérer, de pouvoir se mettre un petit Quen. Ah mais il récupère la vie, c'est idiot.
je veux y aller. On y va, on agresse. Oh, failli, c'était lui au moins. Ça a été lui. Enfin, ça a été moi plutôt. Oui. Ah, c'est moche. Je me suis dit qu'il faut les jouer agressifs du coup. Je voulais pas forcément. Mais vu qu'il régénérait de la santé, peut-être mis un peu trop de temps avant de jouer agressif. Dommage. Mais je crois qu'il régénère pas de suite. Donc au début, on peut y aller peut-être un petit peu lentement là. Et après, faut jouer agressif. Le signe Hard peut éteindre les flammes, y compris les ennemis embrasés par le signe Igni. Ça, c'est une bonne information à savoir. Si ça, on veut taper des gens qui crament, il faut les éteindre pour une on ne sait quelle raison. Mais bon, si on a utilisé le signe Igni, on peut certainement rarement utiliser le signe Hard juste derrière. Retuons les loups du coup. Parce que j'ai récupéré un peu de viande. Voilà. Ouais, pas là en tout cas. Vas-y, donne-moi de la viande, toi. Ah, mais non, il y en a deux. Un autre. De la viande. Rien. Et toi ? Oh, que dalle. Pas de bol, pas une viande cette fois-ci. Le vieux chêne. Hop. On avance vers l'entrée. De l'huile, j'avais dit. Allez, mais apprends à jouer, là, s'il te plaît. Toujours pas. À mon avis, c'est à moitié de vie, un truc comme ça, qui commence à récupérer de la vie. Ah, voilà, il commence. Bah, par contre, il est relou à bouger comme pas deux. Ça va être plus complexe que ça, je vais avoir plus de mal que tout à l'heure. Mais vas-y quoi, il se casse en deux secondes. Et je n'arrive pas à le toucher. Enfin, j'ai l'impression que je le touche pas vu qu'on n'entend pas de son quand je l'attaque. On n'a pas l'impression de le toucher. Hein.
plupart du temps, de toute façon, il évite. Ah, il va me tuer cette fois-ci. Il va me tuer, malheureusement, pour moi. Je sais pas pourquoi le son il coupe le jeu coupe le son là, la musique et autres. Enfin la musique non, mais c'est plutôt les bruitages, on n'entend plus. Quand je balance mon feu, quand je. Les bruits. Enfin, il n'y a pas tous. Ouais, il a beaucoup trouvé toute sa vie l'autre. Oh bah horrible, ça va être super long, c'est super compliqué. Mais vas-y, il regagne de la vie. Ouais, tu veux faire quoi contre un... Salut Tylos! Contre un ennemi qui régène de la vie. J'aurais dû l'avoir tout à l'heure. Là, j'allais l'avoir. C'était lui ou moi, un coup, un ou deux coups, je l'avais. Ici, je suis vraiment loin de le faire. Comment ça va bien? On est en marche de la mort. Du coup, on galère un peu, évidemment. Vu que c'est la difficulté la plus haute que propose le jeu. Malheureusement, en principe, tu arrives un peu sur la fin du live. Je vais devoir malheureusement arrêter dans pas longtemps. J'ai 2-3 petites choses à faire. Je pensais, je voulais les faire cet après-midi, mais enfin. En après-midi, mais je dois apparemment les faire plutôt en fin de matinée. Dommage. Mais du coup, si tout va bien, je continuerai le jeu demain matin à partir de 9h. Je me remets une tentative sur le loup-garou. Et j'espère l'avoir ici. Oh, ouais, vraiment que je suis dégueulasse. Voilà. Troisième. C'est un peu embêtant quand même de ne pas avoir le son quand tu tapes. Enfin, quand tu touches. Quand tu tapes et que tu touches pas, ça va. Quand tu touches, au moins avoir la confirmation que tu touches. Je dois avouer que sur le loup-garou, ça me perturbe un peu. Hein, de pas savoir si je touche, si je touche pas. Alors on a le marqueur, oui. Alors on va sauvegarder plutôt, comme ça on en évitera les cinq loups. Je sais un peu ça de gagner. Un petit Gwen. Je peux même pas y aller brutal, hein, en tout cas pas au début. Je vais pas le faire, ça va pas être moi. Je l'ai pas oublié, non, je l'ai. Ah, mais non! Salutations, et je suis mort. Je l'ai oublié d'ailleurs. Pour ma mort d'avant, du coup. Et là, il va commencer à régénérer de la santé, à mon avis. Aïe aïe aïe,
Le Quen qui part dans la seconde à chaque fois. Enfin, dès le premier coup qui me porte. J'arrive pas à en éviter. Enfin, j'arrive pas à en l'éviter quoi. C'est dans ce sens là. Et il fouille tout le temps, mais il est relou, il vient. Ah vas-y, plus qu'un coup je meurs. Super, bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué ce loup-garou. Y'a pas moyen de forcer la non-régène d'un loup-garou pour être pratique. Ah ouais, quand tu parlais aussi Biloute, peut-être d'un build de potion, c'est peut-être avec les décoctions et autres. C'est vrai qu'il y a les décoctions, il y a les huiles, peut-être un peu tout ça. C'est vrai que ça peut être fort, fort intéressant à jouer. Et bon, bah, prochaine victoire ou prochaine mort. Enfin, quelle que soit l'issue de ce combat, hein, les popos qui empêchent la région, ouais, mais enfin, faudrait que je regarde, peut-être dans mes décoctions. Mais après, si c'est ma région à moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. mais oui, il doit y avoir certainement une potion. Regardons vite les décoctions. Ouais, ce que j'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas encore grand-chose. Réduit temporairement de 2 le niveau requis de tous les objets. Réduit nettement la durée des effets. Ouais, non. Gain de vigueur. Non, l'alchimie. Qu'est-ce que je sais faire? Mais après, c'est pas des huiles, forcément, là. Ça serait plutôt. Potion. Mais après, faut voir ce que j'ai aussi. Les dégâts subis augmentent la résistance aux dégâts. Ouais. Mais c'est sur moi, ça, c'est pas sûr, hein. Réduit l'intoxication à 0 et annule les effets des autres potions. Le mel blanc, bah de toute façon, il faudra le faire un jour. Bon, faudra l'en faire parce que je risque de mourir. Augmente l'intensité des signes. Il me semble que j'ai... Attends, j'ai quoi dans mon inventaire? Est-ce que je les ai? L'hirondelle, j'en ai plus, mais au pire, j'ai toujours la tonnerre. Mais qui dure 30 secondes. À un moment donné, il faudrait que je balance tonnerre. Enfin, que j'arrive à lancer tonnerre quand il commence à régénérer de la vie. Pour lui faire plus de dégâts. Et de toute façon, comme je l'ai dit, que ce soit une victoire ou une défaite, faudra que j'arrête après. Ouais, par contre, on a pu déjà lancer le coup en avant aussi, hein, pour avoir le retour d'Igni. Mais vas-y, il esquive. Enfin, non. J'ai l'impression qu'il a esquivé toutes mes attaques, alors qu'il y en a 3 qui sont passées. Mais comme on le voit pas, on n'a pas les dégâts. Par contre, lui, il me bouffe la gueule. C'est relou, mais c'est cool. Mais on fait pas de dégâts. Oh, bah c'est ma mort. Hein. C'est ma mort assurée. Pas rien du tout. Il esquive comme il veut. Et moi, j'arrive pas à le toucher. Ouais, non, je suis niveau 8 malheureusement. Faudrait que j'arrive à esquiver un peu plus aussi. Vas-y, refous une huile. Ce serait pas en jouant avec les yeux. Enfin, l'huile qui pourrait, les limites pourrait le forcer à se régénérer. Vas-y, on va la peut-être bien là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Dommage. Du coup, salut Philav, tonnerre plus Will et Queen à chaque fois, c'est quoi Queen? J'ai l'huile des créatures maudites, ouais.
Tonnerre, donc je la mets, mais je vais attendre plutôt Tonnerre qui soit dans le cycle où il régénère de la vie. Igni, bah oui. Deux coups, pas plus, puis esquive. Le bouclier. Ah oui, Queen, le bouclier, ouais. Mais malheureusement, ouais, Queen et Shaku plus Igni, ouais. Mais malheureusement, Quen, c'est soit. Enfin, il faut attendre la régénération du pouvoir, c'est ça qui est embêtant. Mais ouais, effectivement, c'est ce que, du coup, plus ou moins, ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien balancer un Quen dès le début du combat, enfin, avant le combat plutôt, et récupérer un Igni derrière assez rapidement. Mais ce qui est embêtant, c'est sa régène de vie. Et moi qui en ai une aussi, mais pas aussi rapide que la sienne. Oui, lui il régénère par 52. Moi non. Bon allez, bon, vraiment. Mais merci en tout cas à toi pour me dire comment battre. C'est vraiment la dernière. Faut vraiment que j'y aille après. Je le repousse deux, trois fois là déjà. Mais je continue. Si on n'y arrive pas, de toute façon, je recommence le combat demain matin. Vas-y, j'ai l'huile. On a l'igni. Alors, on a l'huile. On a la potion qu'on va déjà mettre. Après, c'est vrai que je pourrais utiliser les deux potions à la limite. Plus de deux coups, t'as dit. C'est vrai que j'ai parfois tendance un peu trop marteler la touche attaque. Regarde, mais il est où là? Je le vois pas. Là, il va régénérer. Ah. Surtout quand il commence à ne pas esquiver là, je me dis c'est le moment de taper. Mais utiliser les pouvoirs à un moment donné. Ah non. Allez. Faut que j'en mette une huile. Par contre, c'est un peu relou. Je faisais la même en mode gros bourrin. Ben ouais. Enfin, après, évidemment, là, vu que je suis en marge de la mort, le gros bourrin, c'est pas la bonne idée. Dans une difficulté plus petite, je veux bien. Enfin, certainement. Voilà, là, il esquive pas, donc je bourrine en fait. Non, non, par contre, faut plus m'avoir maintenant, mec. Oh, mais vas-y, t'es sérieux? Non, 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 non. Il m'a tout enlevé en 2 secondes. Et du coup, il va régénérer toute sa vie. Purée, saloperie, va. Saloperie, j'allais la voir. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a martelé après. Mais... Bon, bah, demain matin, la victoire. Merci, mais vraiment pas de bol, hein. Moi, je veux vraiment y aller, malheureusement. Ça fait une de plus. Une de plus, et encore, j'espère ne pas en avoir oublié une. C'est quelle la dernière 26? Si, il y en avait une entre les deux, il me semble. Il me semble que j'en ai une autre en plus. Bon, sinon, tant pis, c'est pas grave. C'est une de plus pour vous. Donc, désolé, hein, je dois y aller, comme je le dis, j'ai des choses à faire, ben, enfin, juste maintenant. Du coup, je continue demain matin, hein, sur le combat, les sorcières, ou en tout cas les dames, les moires du marais de Torséchine. Et on avancera du coup peut-être aussi bien assez dans la quête pour retrouver Anna, parce qu'on cherche, on cherche Ciri, mais on vient aussi ici pour retrouver Anna, la femme du baron sanglant. Où est-elle? On ne le sait pas encore. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, nous on sait déjà. Sur ce, merci d'être passé tout le monde, hein, d'être venu en lurk. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Philav et merci aussi du coup Ethylos pour avoir dit bonjour, pour être arrivé sur la chaîne. J'espère vous revoir une prochaine fois, peut-être bien. En tout cas, merci. À plus, bonne journée.
N'hésitez pas à revenir, hein, ça me fait toujours plaisir en tout cas, ça me fait... Si vous avez envie. Thank you.